Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandia Mission Moseka Malheur Moderne Beauté Beauté, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose donc un hachis parmentier. Simple. Hachis parmentier à la tomate, on va dire. Voilà, et c'est parti pour les ingrédients. Voilà, pour les ingrédients, aujourd'hui on va procéder autrement. Je me trouvais déjà au fourneau quand soudain j'ai eu l'idée de filmer. Donc voilà, je vais préparer donc un hachis parmentier. La recette que ma fille aime, donc la recette basique du hachis parmentier, c'est que des pommes de terre et de la viande hachée, normalement c'est ça, mais ça peut être décliné avec des tomates, des carottes, des épinards, donc il existe toutes sortes. Mais aujourd'hui ma fille, en partant à l'école, elle m'a dit: maman, je termine plus tôt, j'aimerais bien mon hachis parmentier comme j'aime. Voilà, pour ce hachis parmentier on aura besoin, ici j'ai pris juste deux grosses pommes de terre, donc c'est à peu près l'équivalent, on va dire, d'un bon 400 grammes, elles étaient bien grosses. On a 350 grammes de haché de bœuf. On a du poivre gris. On a de l'ail en poudre. Je vais en mettre un petit peu dans le haché de bœuf pour que ce soit moins fade. On a du beurre, une échalote et deux tomates coupées en grosses rondelles. On aura besoin également de sel et un peu de chapelure. Donc je récapitule, pour réaliser le hachis parmentier, on a besoin de pommes de terre, viande hachée, moi j'ai pris du bœuf parce que sinon bœuf porc c'est trop gras pour cette recette, du poivre, de l'ail en poudre, du beurre, une échalote, deux tomates, du sel et de la chapelure, et directement la cuisson. Voilà, donc nous voici prêt pour la cuisson. Donc comme la viande de bœuf, évidemment, n'est pas très grasse, elle n'a pas beaucoup de goût, on va un petit peu la travailler. On va mettre un tout petit peu de beurre, pas grand chose. Voilà, donc je vais mettre du sel et de l'ail en poudre dans cette viande hachée parce qu'on aime un meilleur goût. Voilà le peu de beurre qu'on a mis est fondu. Donc je vais mettre la viande hachée. Et pendant ce temps, je vais cuire les pommes de terre. Voilà. Voilà, donc ils sont séchés. Je mets les échalotes. J'aurais dû les mettre en même temps que le beurre, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est dans le désordre. Donc, il faudra que les échalotes cuisent très bien. Il y en a qui n'en mettent pas, mais nous, on aime ce genre de goût. Donc on aurait pu commencer par les échalotes, les faire rissoler, ensuite mettre la viande. Mais bon, comme j'ai oublié, c'est pas grave. Il y a des oublis plus graves que ça. Donc ici, je vais mettre à cuire les pommes de terre. Pour mes pommes de terre, je n'aime pas mettre trop d'eau quand je fais une purée, parce qu'à la base, ce qu'on va faire, c'est une purée. Donc on va mettre la quantité nécessaire pour que ça puisse se transformer en purée sans devoir se débarrasser de l'eau de cuisson. Voilà, donc je mets les pommes de terre à cuire. On va mettre du sel et on va couvrir. Voilà. On couvre. Donc les pommes de terre sont en train de cuire pendant que je m'occupe de la viande hachée. Voilà, en goûtant, je m'aperçois que cette viande hachée est nature, donc elle n'est pas salée du tout. Donc on va mettre un peu de sel. Souvent la viande de bœuf, on la vend en nature. On va mettre un peu de poivre. Voilà, il faut toujours prendre l'habitude de goûter. Voilà, la viande hachée est prête. On va donc
réservé. Oui. Ah, on fait beaucoup de bêtises hein, en cuisine. Voilà, c'est pas grave, on va essuyer tout ça. Voilà, on réserve. Et ce que je vais faire, je vais déjà éteindre. Et sous cette petite chaleur qui reste, je vais saisir mes tomates. Elles ne doivent pas cuire parce que sinon ce sera que de la compote. Donc on a déjà éteint. On va mettre un peu de sel. Donc c'est vraiment une petite opération. Et un peu de poivre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Pourquoi on fait cette opération? Parce qu'en fait, le hachis parmentier, tous les éléments sont cuits. Donc on le mettra au four rien que pour dorer un petit peu. Donc si à l'intérieur, il y a des tomates un peu trop croquantes, ça ne va pas être la gloire. Voilà. Donc ici, ça ne va pas continuer à chauffer parce que c'est déjà, éteint. Voilà, on nettoie. Et on va réserver les tomates pour la suite de la recette. Un peu provisoirement au fur et à mesure. Voilà. Voilà, on réserve les tomates. Cette petite opération permet juste de réduire le temps de cuisson de notre hachis parmentier quand il ira au four. C'est juste pour dorer l'affaire. Voilà, donc les tomates sont là. On les réserve et on attend dès que la purée est prête, on passera à la suite de la recette. Voilà, donc ici les pommes de terre sont cuites. Ce que j'ai fait volontairement parce que ma fille n'aime pas la version trop grasse. Donc dans la version grasse, parfois on peut mettre du beurre, du lait et un œuf pour faire une vraie purée. Ici donc on va éliminer le lait et les œufs, on va garder que le beurre. Donc il faut pour cela avoir un fond d'eau. Voilà, vous voyez un petit fond d'eau. Donc maintenant ici on va donc écraser notre pommes de terre et on va mettre directement du beurre. Faut pas trop en mettre, c'est déjà salé. On va rajouter, ah oui, très important dans la purée, la fameuse noix de muscade. Un instant, je vois si j'en ai ici. Voilà. Voilà, un peu de noix de muscade. Qui dit purée dit noix de muscade. Un tout petit peu. On va mettre un petit peu de poivre, pourquoi pas. Et là, on fait notre purée. Si vous voyez que ce n'est pas assez liquide, mettez du lait. Et si vous ne voulez pas que ce soit gras, mettez du lait écrémé ou demi-écrémé. Voilà, j'ai goûté, ça manque un peu de sel. On va rajouter un peu de sel. Il faut toujours goûter à toutes les étapes, hein, pas attendre quand la préparation est déjà sorti du four pour regretter après. Donc à ce stade, c'est une purée. On aurait pu la faire plus gourmande avec un œuf, avec du lait, voire même de la crème fraîche, il y en a qui font ça. Mais c'est voulu, ça doit rester quand même, on va pas dire 100% light, mais le moins gras possible. Voilà, pas mettre en même temps plusieurs choses. Voilà, je vous montre. Donc là, c'est juste une purée. Bon, le plat est un peu grand. Je n'ai plus de plats individuels qui vont au four. Donc, on va faire avec. Comme le plat est grand, voilà, c'est un plat en pyrex qui va au four. On va essayer de gérer. Donc, je vais quand même mettre de la pomme de terre parce que l'idéal, c'est de terminer avec la pomme de terre. Ici, je me débrouille parce que le plat est trop grand par rapport à la quantité. Donc à la base, je suis en train de cuisiner pour une personne. Voilà, on va tapisser le plat de cette purée de pommes de terre. Vous voyez? Donc je vais essayer de me mettre ici, comme ça vous voyez ce que je suis en train de faire. Ensuite, on va mettre la viande hachée. C'est pas grave s'il y a le jus qui vient avec, ça ne peut être que bon. Ça permettra d'avoir un plat moins sec. Voilà, je mets la viande. En bas, on a mis un peu de pommes de terre. La viande est bien assaisonnée, j'ai goûté.
Si vous aimez, vous pouvez mettre du persil ici, par-dessus. Donc après, je vais passer aux tomates. Voilà. Je vous montre ce stade. Donc on a nos tomates, en bas on a un peu de pommes de terre, vous voyez. C'est une adaptation parce que le plat est vraiment trop grand. Donc j'ai de la pomme de terre, j'ai de la tomate, la pomme de terre, la viande, la tomate, et je termine avec la pomme de terre. Bien recouvrir le tout. Normalement, ça aurait dû être un plat plus petit que je n'ai plus parce que vous savez comment les enfants les cassent. Je vais en acheter des petites cocottes, portions individuelles. Voilà, je me mets ici pour que ce soit bien dans l'angle. Ouais, je vois que je suis dans l'angle. Pas facile quand on se filme soi-même. Hein. Je suis indépendante. Je me filme toute seule comme une grande. Fini l'époque où ma fille devait m'aider. Tout ça, tout ça. Voilà. Donc, en principe, le hachis parmentier, c'est pas un plat, c'est pas un gratin avec du fromage, mais on peut en mettre. Ici, volontairement, on va pas mettre de fromage. Parce que moi, le hachis parmentier que j'ai connu dans mon enfance, de la mamie qui m'élevait, eh bien, n'avait pas de fromage. On terminait avec de la chapelure, donc je vais garder le bon geste. Ça permettait d'avoir un petit croquant au-dessus. Donc, je vais garder ce que j'ai appris. Voilà, c'est de la chapelure. J'en prends un peu dans ma main. Voilà, donc je vous montre, hein, c'est la chapelure. Voilà. Ce qui sert à paner habituellement. Le hachis parmentier, on termine avec ça, et ça va former une croûte brune. Et c'est ça la particularité de l'hachis parmentier que j'ai connu, petite fille. Voilà, donc là c'est prêt pour aller au four. Je vous montre. Voilà. Si vous avez des légumes de couleur verte comme des courgettes, des haricots verts, en tout cas le hachis parmentier, il n'y a pas de restriction. On peut faire tout ce qu'on veut. Ma fille, elle préfère avec les tomates. Donc voilà. Ça va aller au four et je vous montrerai le résultat après cuisson. A tout à l'heure. Chaud devant, c'est prêt, c'est notre hachis parmentier. On va prendre une part, voilà, donc ça doit être comme ça, avec un bon croustillant, et on va sortir une part de hachis parmentier. Vous voyez, il y a du jus, donc c'est ça. Je vais juste préparer, vous voyez la tomate, la présentation de l'assiette. Voilà, c'est enfin prêt. Notre hachis parmentier est là. J'ai mis une petite part, hein, ça aurait pu être plus copieux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et l'émission Moseka de Maléa Moderne vous dit au revoir. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Maléa Moderne. Up the wind.